Je parle à chaque montagne de ma vie. Et j'ordonne qu'elle soit enlevée et jetée dans la mer. Selon Marc 11 au verset 23. Ôte-toi de ma vie, montagne, et jette-toi dans les eaux, dans la mer, au nom de Jésus-Christ. Je parle à chaque montagne financière pour qu'elle soit retirée de ma vie, de mes finances, de mes portefeuilles, de mes comptes bancaires, au nom de Jésus-Christ. Montagne qui s'oppose à mes finances, je t'écrase, je t'aplanis par la puissance et par le pied du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant même, ôte-toi de mes finances. Selon Michée 6 au verset 2, que toute montagne mauvaise entende la voix du Seigneur et soit enlevée de ma vie au nom de Jésus-Christ. Toi montagne mauvaise, toi qui te caches, nous faisons retentir maintenant la voix de l'Éternel, la voix puissante et glorieuse de Jésus. Sois enlevé de ma vie, de ma famille, au nom de Jésus. Selon Ézéchiel 36 au verset 4, je prophétise aux montagnes et je leur ordonne d'entendre la parole du Seigneur et d'être enlevé de tous les lieux de ma vie, de toutes les activités que mes mains touchent, de tous les endroits de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Selon Habacuc 3, au verset 10, que les montagnes tremblent devant la présence de Dieu dans ma vie, car celui qui est en moi est plus grand, fort, redoutable que celui qui est dans ce monde. C'est pourquoi je commande maintenant que les montagnes tremblent devant ta présence, mon Dieu, car tu es en moi au nom de Jésus-Christ. Selon Michée 6 au verset 1, je lutte contre chaque montagne et je leur ordonne d'entendre ma voix. Montagne, au nom de Jésus, aplanissez-vous. Montagne, dans tout domaine de ma vie, je vous écrase. Au nom de Jésus, selon Malachie 1 au verset 3, Seigneur Jésus, détruis la montagne d'Ésaü dans ma chair. Toute montagne de ma chair, nous la détruisons maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute montagne qui pousse le péché à lutter contre moi, nous le détruisons maintenant au nom de Jésus. Selon Job 28 au verset 9, étends ta main, ô Éternel, étends ta main et renverse les montagnes par les racines. Au nom de Jésus, je parle à chaque montagne de tête, à chaque montagne d'entêtement, pour qu'elle soit enlevée et jetée dans les fumements du feu, le feu dévorant au nom de Jésus-Christ. Je parle à chaque montagne de tête, à chaque montagne d'entêtement, à chaque montagne financière douloureuse, j'ordonne maintenant, sois enlevé et jeté dans les abîmes au nom de Jésus. Selon Jérémie 51 au verset 25, Seigneur, tu es contre toute montagne qui détruit. Regarde les montagnes de ma vie et détruis-les maintenant au nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu es contre toute montagne qui détruit. Ne laisse pas les montagnes de ma vie me détruire.
Ne les laisse pas m'entourer. Ne les laisse pas ériger un mur devant moi. Détruis-les au nom de Jésus-Christ. Selon Juges 5 au verset 5, que les montagnes fondent maintenant en ta présence. Parce que tu es en moi, ô Dieu. Parce que tu es en moi, ô Dieu. Que toutes les montagnes fondent maintenant en ta présence. Selon que tu es en moi, les montagnes fondent aussi devant moi au nom de Jésus. Père, selon qu'il est écrit dans Ésaïe 42 au verset 15, dévaste les montagnes maléfiques de ma vie. Ô Seigneur, ne permets pas que les montagnes maléfiques résistent encore aujourd'hui. Détruis-les depuis la racine de ma vie au nom de Jésus. Je bats toutes les montagnes. Je les bats. Et je transforme les collines en paille. Et je mets le feu là-dessus pour les détruire. Selon Ésaïe 41 au verset 15. Je bats toutes les montagnes. Je les bats. Et je transforme les collines en paille au nom de Jésus. Selon Zacharie 4 au verset 7. Toute montagne sur mon chemin deviendra une plaine, très très aplatie, bien aplatie, au nom de Jésus. Je ne permets à aucune montagne de rivaliser avec moi. Je ne permets à aucune montagne de résister sur le chemin de ma destinée et de ma vie. Je ne permets à aucune montagne de se lever contre moi. Je vous aplanis vous tous. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Père pour ce que tu es en train d'accomplir dans mon existence. Merci de ce que tu me fortifies Seigneur. Merci de ce que tu poses toutes les bénédictions dans ma vie. Merci Seigneur de ce que tu paralyses tout ce qui appartient au règne des ténèbres depuis mes ancêtres jusqu'à moi. Merci Jésus de briser le joug et le fardeau des ennemis et des ténèbres sur ma vie au nom de Jésus. Bénis ma journée. Renforce ma foi. Donne-moi de te plaire en toutes choses et d'avoir un bon témoignage et de marcher conformément à ta parole. Merci Seigneur Jésus parce que tu as chassé les princes de ce monde et tu l'as vaincu à la croix de Golgotha. Selon Jean 12 au verset 31. Jésus, tu as détruit les principautés et tu en as fait un spectacle devant le monde entier. Selon Colossiens 2 au verset 15. Je lis le prince de la puissance de l'air. Au nom de Jésus-Christ. Selon Éphésiens 2, verset 2. Je lis et je réprimande Belzébuth, le prince des démons. Selon Matthieu 12, au verset 24. Selon Éphésiens 6, au verset 12. Je lis les principautés et les puissances de ma région, de ma famille, de ma vie. Au nom de Jésus. Selon Jérémie 13 au verset 18, j'ordonne aux principautés de descendre de ma vie.
je les renvoie dans les abîmes au nom de Jésus-Christ. Selon Daniel 10 au verset 20, Seigneur, envoie tes anges guerriers, combattre à ma faveur contre les princes démoniaques dans ma vie, dans ma famille, depuis mes ancêtres, au nom de Jésus. Selon Josué 13 au verset 21, frappez les princes comme au jour d'autrefois, et que tout prince des ténèbres soit renversé sur mon chemin, au nom puissant de Jésus-Christ. Selon Ézéchiel 21 au verset 25 à 26, Père, fais cesser l'iniquité de tout prince profane et ôte le diadème de sa tête au nom de Jésus. Selon Job 12 au verset 19, amenez les princes dépouillés et renversez les puissants. Tous ceux qui s'élèvent contre ma vie, renversez maintenant au nom de Jésus. Seigneur Jésus, selon le psaume 83 au verset 11, rends les nobles comme Oreb et comme Zeb, et tous leurs princes comme Zeba et comme Zaïmouna, comme Zalmouna au nom de Jésus-Christ. Selon le psaume 107 au verset 40, versez le mépris sur les princes des démons, tout prince démoniaque, je vous donne votre coupe de mépris à boire dans la prison des abîmes pendant que vous êtes enfermés dans ces lieux au nom de Jésus. Selon le psaume 119 au verset 23, je réprimande et je lis tous les princes qui parleraient contre moi, qui parlent contre moi, qui ont parlé contre moi. Au nom de Jésus-Christ, soyez réprimandés. Selon le psaume 119 au verset 161, je réprimande et je lis tous les princes qui voudraient me persécuter. Je vous fais avaler votre persécution et votre méchanceté au nom de Jésus. Selon Ésaïe 34 au verset 12, nous vous réduisons à néant, vous tous princes des ténèbres. Vous êtes le néant, vous n'êtes personne. Vous êtes le néant jeté dans les abîmes et vous disparaissez de ma vie au nom de Jésus. Selon Sophonie 1 au verset 8, Seigneur, punis-les. Punis les princes des ténèbres. Punis-les avec leur puissance. Nous les dépouillons, nous les désarmons. Et nous les renvoyons dans les abîmes, là où est leur demeure. Au nom de Jésus-Christ, je me sens libéré. Je me sens libéré. Je ressens ta paix. Je ressens tes grâces. Je suis affranchi. Je suis béni. Personne ne peut me maudire. Celui qui est béni est béni. Et tous ceux qui tentent de me maudire, toutes leurs paroles se transforment dans leur bouche en bénédiction pour moi. Comme Balaam qui n'a pas pu maudire Israël. Que cette puissance qui tourne les langues de malédiction en bénédiction saisisse tous mes ennemis cachés dans la famille de près ou de loin et transforme leur langue. Et que les malédictions qu'ils s'apprêtent à relâcher, comme Balaam, ils déclarent des bénédictions au nom de Jésus-Christ.
Je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes et dans les lieux terrestres. Je ne souffre plus pour vivre. Je suis béni à tout égard. Car Jésus-Christ marche avec moi. Et je ferai des exploits au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.